Bonjour. Alors voilà, une bouteille en brique casino, 100%, qui dit 100% pur jus d'ananas. D'accord, jusqu'à là tout va bien. On regarde les ingrédients. Donc dans les ingrédients, il y a marqué Pineapples Juice Vitamine C. Voilà. Donc dessus, on a une belle image, un bel ananas bien découpé, bien frais. Dessus, ils mettent comment le déguster, quels ingrédients, etc. Après, quand on prend le chinois et on essaie de le déverser dans une bouteille en verre, au début c'est tout liquide et ensuite il y a une espèce de pâte ou de la purée. Peut-être que c'est le concentré ou bien un mélange, on ne sait pas. Ça fait très pâteux pour de l'ananas. Et on dirait pas de l'ananas. Hein. Ça sent l'ananas, mais on dirait pas de l'ananas. Voilà. Ça fait après, il y a des détracteurs qui vont nous dire oui, mais c'était déjà ouvert, nanani nanana. Non, mais voilà, regarde, il a coupé. Donc je vous montre, il a coupé. Voilà. C'était au frais. Il a mis dans le chinois parce que ça a fait des résidus dedans le fait de couper. C'est ce qu'on voit ici. Et il a coupé avec ceci. On voit bien la marque des dents du couteau. Attendez, je dézoome un peu. Donc on voit bien la marque. Et regardez ce que ça fait. À moins que ce soit l'ananas qui a été compressé comme ça, avec la peau. C'est trop bizarre. Non, j'ai eu des... Il y a des mamies à lui qui achètent du jus pur. Et il n'y a pas tout ça. Le bois, il est pas autant il n'est pas comme ça, il est, on dirait pas. Et regarde les résidus marrons là aussi. Ça, c'est le plastique. Ah, autant pour moi. C'est le carton. Ouais, non, le carton. Mais voilà, regardez, c'est trop chelou. Et c'est sûrement pour ça qu'on vous dit tout le temps, faut mélanger les jus. Bon, si vous l'achetez, achetez ça du coup, c'est 100%. Ce qui... C'est de la purée pure. Bonjour. Donc ce qui est dedans, c'est le liquide. Ouais, le vrai jus du coup. Enfin, et ce qui est dedans, c'est la purée. Qui bouge pas. Mousseline. Attends. On voit bien le... Compote de pomme. On voit bien...